Ne la tue pas, capture la vivante en l'endormant. D'accord. Écoutez-moi, frères de Neptune, je présume que vous savez tous qu'il y a eu une émeute et que les dauphins rebelles ont été libérés ce matin même. Vous savez également que des manifestants ont attaqué nos gardes et ont causé de sérieux dommages. Mais l'un de nos gardes a capturé vivante une manifestante. Et elle sera jugée aujourd'hui. C'est encore une enfant. Oh, c'est terrible. Pauvre Elfie. Ne soyez pas dupes, chers frères et amis citoyens. Cette fille qui s'appelle Elfie prétend être la petite-fille de Néléus, un des sept sages. Elle a exercé ses pouvoirs sur lui de manière à empêcher la construction de la ferme aquatique. Est-ce possible? Non seulement ça, mais elle utilise des sons supersoniques qui incitent les dauphins à se rebeller. Oh. Cette créature n'est pas un être humain. Voilà comment elle a pu faire ça. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Non, arrêtez ça! Non! C'est affreux! Aidez-moi, arrêtez! C'est impossible! Chers concitoyens, regardez bien, ceci vous donnera la preuve qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Oh, je descends. Comme vous pouvez le constater, ces créatures peuvent respirer sous l'eau. Ce sont des êtres à la solde de Poséidon. Et ils constituent une véritable menace pour notre nation. Nous, amis concitoyens, n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Oui, il a raison. Oui, on va battre. Oui, on va réagir. Battons-nous. Oui, oh. Regardez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous en prie, vous devez m'écouter. Oui, c'est vrai. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas une humaine. Tais-toi! Écoutez-moi, il faut me croire, il n'y a pas d'envahisseur. C'est un malentendu. Je ne connais rien de Poséidon. Mais je sais pourquoi les dauphins se révoltent, parce que la mer est en train de mourir. Et vous savez tous que la mer est source de toute vie. Je vous en prie, pensez à tout ce qu'elle nous procure. Je vous le répète, la mer est source de vie. Ne faites pas la guerre, je vous en conjure. Ce qu'il faut faire, c'est protéger la mer. Il faut aussi l'aimer. C'est ça que vous devez faire. Ne l'écoutez surtout pas. Vous, créatures, vous voulez nous envahir. Quel démon vous a poussé à vouloir nous détruire? Non, peuple de Neptune, nous ne reculerons pas devant eux. Tu es là, c'est un démon. Oui, c'est vrai. Pour la tuons-la. Ah, mais
Subias. N'y va pas, Alcus. Tes efforts seront vains, tu ne peux rien faire pour l'instant. Elfie. Elfie, tu vas bien? Elfie, ma chère petite fille. Elise, papa. Oh, ma chère petite Elfie. Qui va là? Oh, Monsieur Bias et Monsieur Solon. Que voulez-vous, messieurs? Eh bien, je suggère que vous preniez un peu de repos pendant quelques heures. Je vais ouvrir les portes de la prison pendant que vous vous occuperez des prisonniers. Oui, soyez prudents. Alcus, allons-y. J'arrive. Oh, monsieur Bias, que se passe-t-il? Vous montez la garde tout seul? Oui, monsieur. Eh bien, alors... Ça, alors, vous m'étonnez. Ah, je ne suis pas si vieux que ça, mon garçon. Nilius, Elfie. Alcus. Dépêchez-vous. Dépêchons. Hein? Hey! Ne bougez pas! Je ne peux pas vous laisser aller. Nélius! Alcus, amène Elfie dans un endroit sûr! Elfie, cours! Allez, viens! Nélius! Où allons-nous? Nous allons dans un endroit isolé. D'accord. Alcus. Comment te sens-tu? Je vais très bien. Où sommes-nous? Ici, nous sommes sur une île à l'est de Neptune. Merci, Alcus. Oh, ce n'est rien. Allez, regarde ce que je peux faire. Hop! Tu vois? Allez, hop! Alcus, merci de m'avoir amené ici. Je crois que je suis à l'abri maintenant. Tu devrais retourner à Neptune. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je vais te laisser ici, sur cette île, toute seule? Tu n'es pas sérieuse. Mais Alcus, je suis... Tu veux me dire que tu n'es pas un être humain, c'est ça? Pourtant, tu as des jambes et des bras comme moi. Et tu peux parler, non? Tu as juste quelque chose en plus, tu peux respirer sous l'eau. C'est tout, tu vois. Tu as ce pouvoir qui est bien pratique, tu ne trouves pas? Merci, Alcus. Mais il reste que je ne suis tout de même pas ta sœur. Ça, je suis plutôt content de le savoir. Je t'aime, Elfie. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse tomber, allons, je n'ai rien dit. Regarde, ce n'est pas merveilleux, tout ça. Ce petit bout de terre est juste ce qu'il nous faut. Et je crois que nous y serons bien tous les deux. Tu ne penses pas? Qu'est-ce qu'il y a, Elfie? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, tu as raison. C'est vraiment beau ici. Alors pourquoi ne pas rester? Je dois m'en aller. T'en aller où? Retrouver les miens. Il faut que je me mette en route. Mais où vas-tu? Je dois aller.